Hey, salut tout le monde et bienvenue pour une petite séance de crac-crac. Mais non! On voit rien! Bon, je suis déçue, on ne voit rien à l'intérieur. Bref! C'est eux qui crient. Arrêtez de réveiller les Sims. Il est 6h25 du mat. Voilà, c'est le feu d'artifice. Chez Marwa et Caleb. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette Sim. C'est quand même hallucinant. On est quand même à 122 jours vécus avec Marwanette et Caleb, ou 135. Donc il est pas beaucoup plus vieux qu'elle. C'est bien beau tout ça. Et arrête d'aller dans le berceau de ton fils. Il me fatigue à aller tellement vite. Plastique de rêve, Marois. Ok, nous sommes mercredi. Il va être 7h du mat. Tiens, toi, tu vas aller manger et tu vas te doucher aussi. Marouette, elle va manger également. Ah, nous sommes sous forte pluie de l'été. Jour 11 sur 14. Et Azenor va aller à l'école dans une heure. Et Azenor, elle n'a pas encore fini sa nuit, donc on va la laisser dormir pour l'instant. Forte pluie. Ah bah oui. Ah bah zut, moi qui me disais qu'on allait se balader en ville pour profiter de l'été. Et faire des petites choses. Oh, 1500. Attends, on va vendre un collectionneur. Viens là, Marois, on va gagner 1000 euros. 1000 simflouz. On s'en fout, nous. Hein. Tu fais... Non, tu peux pas. Pourquoi? Il faut une guitare dans l'inventaire. Mais oui. Et rentre chez toi. Non, non, tu vas pas prendre de café. Ça va bien. Voilà, on est à la maison. Oh, oh, oh. Tu vas dire tout de suite à Nabeshima, on veut plus qu'elle grimpe. Ah oui, j'avais oublié qu'on avait notre squelette. Mais what? Remplir. Oh putain! Ils sont en train de se battre. On peut leur dire un truc? C'est Nabeshima hein, qui est agressive. Oh non, on va pas se reproduire, non. Ah bah, je sais pas. Je suis absorbée par ce qui se passe devant moi et j'essaie de comprendre, mais... S'ils s'aiment pas ou s'ils jouaient juste, je sais pas trop. Je sais pas trop, et tu vas grandir notre... Voilà, on va faire des câlins au minou. Histoire 2. Et comment il s'appelait déjà celui-là? Tiberius Crane. Crane. Tiberius Crane. Ok. Tu arrêtes de monter sur le plan de travail. Ah bah il le fait, hein. Et il joue avec ses côtes, ça me rappelle Marwa quand elle était squelette. Vas-y, gueule sur Nabeshima. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il va prendre... Il va se baigner, cet idiot. Bah écoute, si tu veux, ouais, fais des longueurs. Ah, la tête. Cocotte, tu vas peut-être aller à l'école? Voilà, Nabeshima ne montera plus sur les plans de travail. Notre fils, Aidan, qui est né dans l'épisode précédent, grandira. Voilà, un jour. Marwat. T'es sûr que t'as appris? Sale bête! Non, mais dis donc! On t'a dit de pas monter sur les plans de travail? Regarde ça. Changer de tenue, mais on s'en fout. Barre-toi de là, Nabeshima. Mais franchement. Demander des idées créatives, tiens. Marouette. Et la petite fille, elle est plus fine hein, que sa mère. Regardez. Votre mise en... Oh! J'ai cru qu'elles avaient fusionné dans le même chat. Ah
Allez, ma belle, tu vas te faire des amis. T'es en pyjama à l'école? Je crois qu'on a raté quelque chose à son éducation. Azénor est parti en pyjama à l'école. Mais non, ma roi, t'as toujours tout ce qu'il faut. Vas-y, fais une toile enjôleuse. Tu vas tout défoncer. Elle est encore sur le plan de travail, hein. C'est bientôt l'anniversaire d'Aidan, ça je l'avais dit, parce qu'il est né à 9h30 dans l'épisode précédent. Je m'en souviens. Elle est en pyjama! Non mais lui. Lui qui arrête pas avec ses côtes, quoi. Tac, ouais, machin, truc muche. Et hop! Et il fait le con sans arrêt. Bah, Marois aussi n'arrêtait pas de faire la con sans arrêt. Hein. C'était juste vraiment ingérable. Avec elle qui faisait la débile et voilà, il fallait faire avec quoi. Bon, c'est chiant cette flotte quand même. Quand je vous dis que moi qui pleut tout le temps dans mes épisodes, j'en ai marre. Je voulais bouger et faire des genres de batailles d'eau et tout, ça aurait été super sympa. Alors, 1494 pour les bouquins de Caillebout. Et puis, reste. Bon, ça y est, tu t'es rentré là? Ah. Par contre, je t'avais demandé de te prendre une douche, mais tu l'as pas fait, évidemment. Plus de chaud. Ah, ben non, je peux en prendre juste une douche. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a toujours ce truc de noir là? Quelqu'un qui a cramé ici ou quoi? Ça va, Apollon? Et elle a fini sa toile, quoi. On est à Venise, sur une barque. Et puis, c'est quand même dans les Disney. Voilà, maintenant elle est inspirée. On va profiter qu'elle soit inspirée et on va refaire une toile classique à 100 Simflouz. Et à mon avis. Oh, 674, c'est pas. On a vu plus, hein. Beaucoup, beaucoup plus et beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'as? Ah oui, parce qu'il t'a dit un manque d'inspiration. Oh, on s'en fout, ouais. Tu es l'inspiration même, ma roi. C'est pas un cube qui te dira le contraire. Oh, Aidan s'est mis à pleurer. Il a faim, le petit bébé. Marouat, tu vas le nourrir. Parce que le squelette, il va avoir du mal à l'allaiter. Hein. Ou alors, il va lui donner un biberon. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il parle au chat, il s'en fout. Il parle pas au bébé, il parle au chat. Pourquoi tu reçois un appel, toi? On va aller en boîte de nuit. Oui, non, non. Ah si, lui donne un... D'accord. Bon, ben merci Tibérius Crâne. Tu élèves nos enfants? Mais what? Et sous le foyer, on n'a pas. Tibérius, il fait pas partie de nos connaissances. Ouais, c'est bizarre. Ah! La couche sale quand même. Un petit peu quand même s'occuper de son fils, Marois, parce que là... Ah, la pluie a cessé. Faudrait peut-être bouger un petit peu. Avant que Azenor revienne de l'école. Ah, ce cri, j'en peux plus. Non mais... Viens bercer au moins ton fils. Lui, il fait tout à notre place. Ah bah non, parce qu'il dort maintenant, ton garçon. Bon, par contre, tout ça, vous êtes chiant quand même. Viens monter photo. Arrête avec tes trucs, toi. Avec tes osches. Non, mais franchement. C'est n'importe quoi. Les Sims, ils nous feront toujours des trucs plus délirants les uns que les autres. Hein. Tu serais pas un peu dans le. Oui, t'es complètement dans le berceau, on est d'accord. Ibabarb! Vadish! C'est quoi ça? A fait un salto arrière dans la... Faire un salto arrière dans la piscine? Ah bah écoute. Un salto arrière, vas-y, fais-toi plaisir. Écoute, pour une fois qu'on a une piscine, qu'on puisse s'en servir. Vraiment, Marois, fais-toi plaisir, vraiment. Alors. Attention, est-ce que c'est un plat? Waouh! Franchement, tu défonces, ma belle.
Ça, c'est fait, voilà. Par contre, rencontre embarrassante. Ah bon? Ben non. C'est bizarre, ma belle. Bon, il pleut pratiquement plus, hein. On va se bouger, les enfants. On va aller faire un tour. Ouais, le temps qu'ils y arrivent, la petite, on amènera la petite là-bas et puis c'est tout. Ah bah oui. Oh, attendez. Non, c'est l'anniversaire d'Aidan. D'accord. J'ai peur. Je croyais que Zenor devenait déjà grande. Non, c'est son anniversaire. On a le temps, on a une bonne semaine. Anniversaire? Caleb? Comment ça, leur anniversaire? Mais c'est des vampires! Oh là là! Voilà, je comprends pas là. I don't understand what happened. C'est quoi, premier épisode de la saison d'une série? C'est un jour férié! Mais n'importe nawak. N'importe nawak, les enfants. Oui, alors on y va, on va se balader. Avec les bouches. Tac. Et on s'en va. Voilà. J'ai un bug dans mon jeu. On peut pas se déplacer parce qu'il y a un Sims qui vieillit. Mais moi, j'ai pas de Sims qui vieillit. À moins que Nabeshima devienne vieille. Il va retourner. Il est disparu, Tiberius. Je sais pas ce qui se passe, on peut pas bouger en fait. Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un dans le quartier, mais on s'en fout. Les gens du quartier, je tiens à vous le dire. On peut même pas se balader quand on a envie de se balader, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, quoi, c'est pas cool. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, j'en ai marre. Tiens. 334, non, 354, je crois même. C'est pas assez cher, mon fils. Ah, des cartons. Utilise la tête. On a déjà été au centre, donc je sais pas. Autant ne rien faire alors, hein. Puisqu'on peut rien faire, on va rester enfermé chez nous. Voilà. Tu vas te laver un peu, ma belle. Ah non, son fils! J'avais pas vu qu'Aidan était réveillé. Oh, petit bichon. Apaisé. Mais si! Parle-lui alors. Dodeline-le. C'est quand même ton garçon, je suis même pas sûre que tu t'en aies occupé depuis qu'il est né. Bah oui, peut inviter Louis, oui. Elle a un B à Zenor, elle s'en sort bien à l'école. Et elle a été en pyjama. Oh! C'est Athéna qui est contente. Oh, c'est trop mignon. Tu vas lui parler aussi. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Tu vas manger un truc. Oh là là. Enlever une nourriture gâtée. Ouvrir. Ça. Tu peux manger ça. Ce sera toujours ça de fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il a parlé avec son petit garçon. Tu peux le bercer. Tu peux babiller. Et après, tu mangeras aussi. Elle a l'air fait une toile. D'accord. Ok. Ah bah oui, j'ai pas regardé sa toile. 919. D'accord. Tu pourras la vendre. Et Calebout, qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire vu qu'on peut pas sortir de chez nous? Envie de se faire chier, moi je vous le dis. Eh, mais ils ont toujours pas été dans le jacuzzi d'ailleurs. Mais il pleut. Mais bon, pourquoi pas faire cracra avec Marois dans le jacuzzi. Allez! Tant qu'à faire. Si tu veux qu'on aille tester le jacuzzi, dis-moi. Allez, go!
Oh non, dites pas que la petite elle va aller manger dans la salle là et elle va voir. Oh, il y a un poulon qui est là, monsieur, trop mignon. Caresser. Et faire connaissance. Non mais voilà, vous voyez ce qu'elle voit, la petite, elle est en train de manger. Attendez, on va se mettre vraiment dans l'ambiance. Elle est là. Et elle voit quoi droit devant? Ses parents qui font des tout. Tiens, Rieko! Salut Rieko! Attendez, c'est. Hop. Ok, on est. Salut Rieko! Putain, mais il y a tout. Oh là! On a les deux femelles là qui sont en chaleur. Oh my god. Salut Rieko! Non mais moi ça me fait. Je. C'est eux qui font tant de bruit? Ah oui. Ah oui. Bah, il pleut. Là là. Chasser du marron, chatouiller sans pitié. Mais je comprends pas l'histoire d'anniversaire. Honnêtement, là, je comprends pas. Mais ils vont pas nous les faire devenir adultes, hein, hors de question. Hein. Moi, je les garde en jeune adulte. Hein. Ça veut dire quoi? Que même les vampires, au bout d'un certain temps, ils doivent vieillir? Je suis pas d'accord. Je ne suis point d'accord du tout. Embrasser, ok. Et là, c'est faire crac dans le bain remous. Est-ce qu'il fait chaud dans ce bain remous ou est-ce que c'est Marwa qui a fait monter la température? Réponse à cette question piège. Les deux. C'est Nawak. Ah, c'est le bordel là. J'ai tous les chats qui gueulent en même temps. Quoi? Putain, ils sont où? Toi, on t'a dit de pas monter sur les trucs là. Tu veux quoi? Donner friandise vétérinaire. Non, je sais pas. Bah oui, on va en profiter pour bouger. Mais oui, mince, j'ai mis que Caleb. Bah oui, mais on pouvait pas bouger de chez nous, donc forcément. J'étais un peu, oui. Allons, allons voir Lilith. Encore Lilith, toujours Lilith. Lilith, elle est dans tous les let's play, pratiquement. Non, pas dans Decades, parce que le Decades, ça collerait pas. Mais habille-toi, idiot! Qu'ils sont bêtes! Alors, je suis jamais venue ici, hein. On va ramener Marwa. Hop. Et on va amener Azenor. Hop. Aiden est bien en garderie. Oui. Et viens ici aussi, Azenor. Azenor est demandé à l'accueil. Azenor est demandé à l'accueil. Ok! Cet enfant est bugué. Tu peux t'habiller quand même un peu, cocotte. Oh, qu'est-ce que ça pleut? Allez, tu vas mettre cette tenue-là. T'as commandé quoi? Mais tu vas pas manger un scone? Et elle est où, Lilith? Parce que c'est elle qui nous a un peu invités, donc bon. Et Polo. Ah. Ouais, c'est sympa. Ok. Mais sinon, ça sert à rien de. Jesus Garban. On va pas commander un truc, hein. Ouais, c'est pas Lilith, hein. Ok, bah on est venu, c'est juste un espèce de café. Pas pour grand-chose au final, hein. C'est dommage. Mais qu'est-ce que t'achètes? Un croissant! Oh! Mais t'as mis quoi avec ton croissant? Du beurre? Ne mange pas ça, tu vas être malade!
Idiote. Mange ta poche de sang, hein. Caleb, tu fais quoi? Il joue sous la pluie. Mais what? Tu nous as fait quoi? Oh la vache! Mais c'est pas possible, hein. C'est méga bugué, les Sims sont méga buggés, j'ai un Sims bugué, j'ai un jeu tout pété. Bon bah, on va pas rester 3 ans ici, hein. Il n'y a pas Lilith qui est là, alors c'est elle qui nous invite, bref. On va rentrer à la maison. Chuck, attendez. Si, attendez, moi je sais plus. Ah, on peut rentrer chez nous. Oui, tac, tac. On rentre à la maison, youpi. Bon, voilà, on est rentré. Oh! Hop. Ok. Qu'est-ce que t'as? Mais oui! Mais idiote! Va vomir. Va vomir. Mais elle est où? Mais. Et toi, change-toi, Zenor, c'est pas possible. Tu vas pas rester en pyjama toute ta life, là. Tu as fait tes devoirs déjà. Non, mais. Pour qui tu te prends, ma petite? Par contre, Marois, t'as vomi, tu pourrais quand même nettoyer maintenant. J'avais pas mis de robinet ici. Ah non, j'ai pas mis! Bah, je me suis gourée. Et Rieko est toujours là. Et Nabeshima est toujours là-dessus. Lui, regarde la télé pour changer. On peut pas. Comment elle va ta fille, Rieko? On n'a même pas parlé à Rieko depuis qu'elle est arrivée. Raconte une histoire incroyable. T'imagines, on a voulu sortir. Le truc. Rembourser le prêt, ben oui, tant qu'à faire. On va lui donner, rendre l'argent. Rendez-nous l'argent. Ouais, tu sais quoi, Rieko? On a voulu sortir de chez nous. Et en fait, on pouvait pas parce que soi-disant quelqu'un vieillissait. Et puis en fait, après Lilith nous a invités, donc on s'est dit, bon, on va y aller. Et puis en fait, sur place, il n'y avait pas Lilith. Donc voilà. C'était la Nawak. La façon dont elle marche. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a, Nabeshima? Qu'est-ce qui va pas? Merci, Marwa. Bah ouais, on t'a remboursé. Ça, les bons comptes font les bons amis. Ah, on va recevoir encore des trucs à... T'as fait tes devoirs, toi, déjà? T'es sérieuse? Fais le travail supplémentaire, allez. Ça te fera les pieds. Elle a eu quoi? J'ai pas regardé. Bah rien, on sait pas. Qu'est-ce qui va pas? On t'a demandé qu'est-ce qui allait pas, connasse! Et tu vas aider au devoir de ta fille, Marouette. À la fin! Ah, pardon. Viens là. Nabeshima, fin! Ah, oui, j'avais réglé à combien la fréquence de distribution? 6 heures? Je vais mettre 3 heures alors. Comme ça, au moins, je suis sûre que. Ah! Aidan, ça va pas et il n'y a plus le machin. Notre ami squelette ne va pas. Ne va pas. Je dis n'importe quoi. N'est plus là, il y a rendu l'âme. Ah non, hein. Vous vous entendez bien, vous deux. Oh! Mais tu vas t'occuper de ton gosse ou quoi, Caleb? Tu te fous de ma gueule un peu? Ah, parce qu'il y a elle. Ah non, hein, tu viens jusqu'ici. Je m'en fiche. Tais-toi. Dégage. Oh, tu me saoules! Vas-y, illumine la journée de Rieko pour qu'elle s'éloigne. Voilà. Ok, c'est bon. Tu peux changer la couche sale. Tu peux nourrir au biberon à ton fils, le bercer. Une... Qu'est-ce que tu fais? Mais non, je t'ai annulé les trucs de la. Occupe-toi de ton fils. Et là, avec ses cris, là, j'en peux plus. Elle. Et les deux derrière là. Regardez-moi ça.
C'est papa et sa fille. Qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. Compétence 7 en éducation, Marwat. C'est très bien. Voilà, ton fils, il va mieux. Tu vas pas billet. Oh, que zibo! Voilà. Mes petits pas! Alors, et à ta maman, tu pourrais lui dire. Discuter des. Ah, à aider à mauvaise relation. Bah tiens. Donc, j'y suis. Nsara Ndiaye. À part tes oreilles et tes dents, ma petite, t'es toute mignonne, hein. Tu ressembles à ta mère. Hein. Donner un cours d'archéologie? Mais non. Tu as raison, je le ferai la prochaine fois. Oui, t'as qu'à faire. Exprimer son admiration. Si 22h40, il faudra qu'après elle aille quand même se coucher, la petite. Hop là! Et elle se rassoit et elle se relève, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a à manger. Ça va être le coup de la litière, je le sens bien. Ouais, c'est ça. Mais non, pas mettre dans l'inventaire. Elle est cassée la litière ou quoi? Mais quel est le fuck? Bon, on va changer la litière. J'ai envie de dire, on va remettre la même, mais en neuf. Voilà. Clac. Là, ça m'agace. Voilà. Ça va aller mieux comme ça? Regardez-moi, c'est punk. C'est chat punk. Mais non, on peut pas leur apprendre de pas monter, hein, ils le font pas. Hein. Non, elle veut juste prendre la fusée. Tu vas être couchée, Azenor? On est bien, t'es parfaite. Qu'elle mange? Ah oh bah non, il préfère manger sa femme. Quand même, trois crac-crac, vous voulez vraiment faire crac-crac encore une fois? Tu vois, tu vas manger aussi. Je pensais qu'elle était partie, elle. Là, elle dit, mais trouvez-vous un lit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, allez, ouais, bah, qu'à part toi. On sait pas ce qu'il y a. On sait pas du tout ce qu'il y a. Bon, elle est couchée, les enfants font dodo. Tu ronfles, Azenor? Mais quelle honte! Il se passe quoi alors avec Nabeshima? Bon, c'est pas. On est buggé, il est minuit. Ils se font encore des mamours. Ah, franchement, tu vas aller finir ta toile. Hop. Et toi aussi, tu vas me faire une petite toile argileuse. Comme ça, on va dire qu'on va finir là-dessus. On fait des toiles, tous ensemble, ouais. Ouais. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Alors, effectivement, il sera un peu. Il n'y aura pas grand-chose. C'est un épisode un peu entre les deux parce que on va avoir. Eh bien, voilà, le petit Aidan qui va grandir. C'est un jour férié en plus. Donc, avec la petite, il fera quoi comme météo? Attendez, météo. Ensoleillé, donc c'est bon, on pourrait peut-être aller se balader dans un parc ou autre, ça pourrait être sympa. En tout cas, moi c'est là-dessus que je vous quitte, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Let's Play de Marwa ou d'autres choses. Allez, salut!